Et qu'elle nous accompagne partout et en toutes circonstances. Le jeûne du mois béni de Ramadan, rendu obligatoire à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pilier de l'islam, un lundi 2 du mois de Sha'ban, de l'an 2 de l'Hégire, à Médine, est une obligation divine, clairement mentionnée dans le Coran et clairement explicitée dans la Sunna. Quant à comment le faire? Eh bien, celui qui est en parfaite santé et qui refuse de jeûner, eh bien celui-là a délibérément voulu tourner à un pilier de l'islam. Et qui dit pilier, c'est ce sur quoi repose quelque chose. Des cinq piliers de l'islam, quand on dégage un, les autres vont s'écrouler. Pour le premier pilier qui est le plus important, la kalimatu shahada, là il n'y a rien à dire. Si on ne la prononce pas, nous ne sommes pas encore dans l'islam, nous ne sommes pas encore musulmans. C'est comme quelqu'un qui commence à prier sans dire le premier Allahu Akbar. Même au bout de 1000 raka'a, il n'a pas commencé à prier. C'est comme quelqu'un qui rentre dans le pèlerinage sans prendre le ihram. Il peut faire 1000 pèlerinages, il n'a pas fait le pèlerinage du tout. Donc, à part le premier pilier qui est incontournable, les quatre autres aussi sur lesquels ça repose, dès qu'on dégage un, les autres s'écroulent. Alors, celui qui est en bonne santé et qui refuse de jeûner aura désobéi à Allah, aura désobéi à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'il ne se repent pas tout de suite et ne revient pas vers son Seigneur, s'il meurt dans ces conditions, je pèse ce que je dis et que Dieu me pardonne, il ira en enfer. Parce que, tout simplement, ne l'oubliez pas, celui qui rompt un jour de jeûne du mois béni de Ramadan, sans raison islamiquement valable, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que même s'il passe le restant de sa vie et que Allah lui accorde une dérogation spéciale pour le maintenir en vie jusqu'à la fin des temps et qu'il passe tout ce temps, peut-être pendant 5 milliards d'années, en train de jeûner, il ne sera pas à même de remplacer un jour de jeûne du mois béni de Ramadan. Allah dit que toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent, excepté le jeûne, il est à moi et seul moi rétribue par lui. On a montré au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un barème de nos activités, de toutes nos œuvres, avec en face la récompense qui ici est. Et le messager constate qu'il n'y a pas le jeûne. Et Allah n'est pas sujet à l'oubli. Alors il dit, Seigneur, je sais que tu n'oublies pas, mais il n'y a pas le jeûne ici. Le Seigneur dira, eh bien, je l'ai caché exprès, parce que c'est comme ça, la récompense du jeûneur, celui qui jeûne, on ne se rend pas compte tout de suite qu'il jeûne s'il ne le dit pas. Eh bien, c'est ainsi que j'ai caché pour le jeûneur ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais effleuré, ce qu'aucune imagination n'a jamais effleuré dans mon paradis. Qu'il en soit ainsi, Rabbal Alamin, et que ta paix, que ta miséricorde, que tes bénédictions soient sur nous, et qu'elles nous accompagnent partout et en toutes circonstances. Allah.